Donc aujourd'hui, je vais vous présenter mes nouveaux Shopkin que j'ai achetés avant-hier. Donc on va commencer tout de suite pour ne pas perdre de temps. Donc j'ai eu un paquet de la saison 1. Donc j'ai eu un rare, le paquet se présente comme ceci. Et après, j'ai eu un brocoli. Un brocoli qui est comme un. Et un petit yogourt. Voilà. Qui est rare. Ensuite, j'ai pas eu de la saison 2, mais j'en ai eu de la saison 3. Donc, comme ça. Et j'ai eu une petite botte qui est rare et des petits pois comme ceci qui sont comme désolée. Ensuite, j'en ai eu de la saison 4 dans un petit paquet comme ceci qu'on peut tenir par là. J'en ai eu un cover comme ceci. Et un rare. C'est de cette dure. Ensuite, j'en ai eu un de la collection foire alimentaire. J'en ai eu un commun, comme ceci. Et un ultra rare. Désolée. Ensuite, j'ai eu de chez McDo un paquet. Donc, il y avait un petit truc comme ben, petit. Comparé aux autres, il est quand même grand. Parce que je l'ai eu à McDo quand je suis allée manger avec mon frère le 24. Donc, le 24 décembre. Donc, j'ai eu hors de ça. Hors du panier. Une petite paire de souliers et dans le truc j'ai eu une rare, donc c'est une petite robe. Ensuite j'ai eu un paquet de 8 Shopkin, donc j'ai eu cette petite coiffeuse qui est pas Shopkin mais non, c'est pas grave. Ensuite j'ai eu donc, deux talons hauts. J'ai eu aussi une petite robe. Je vais essayer de me dépêcher. Un parfum. Une appareil photo. Une petite bague. Ensuite, une petite bourse. Ceci. Quoi le petit? Et le dernier de ces 8 Shopkin. Laissez-moi le trouver. Je le trouve plus. Ah oui, bon. C'est un petit chapeau. Ensuite, j'ai eu deux accessoires. J'ai eu un petit bas comme ceci et une petite table. Comme qui est très petite. Donc, ceci. Ensuite, donc, j'ai eu un gros paquet de Shopkin. Donc, comme ceci. Avec dedans. Celui-ci, donc c'est du sirop d'érable. Voilà. Et un petit truc pour mettre les œufs qui est rare. Et celle-là, il est édition limitée. Voilà. Je vais les laisser. Non, je vais les mettre là. Ensuite, j'en ai eu dans des petits paquets comme ceci.
avait beaucoup de petits paquets. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai eu. Donc, j'en ai eu 3 ultra rares. Donc, une petite balle. De la nourriture pour chien. Et un collier pour chien. Ensuite, j'en ai eu un qui est édition limitée. C'est comme ça, de la nourriture pour poisson. Un qui est rare, je crois, oui, il est rare. C'est un petit bail. Ensuite, je ne trouve plus. Je ne les trouve plus. Donc là, j'en ai un qui, j'en ai 4. Il m'en manque un. Il y en a 6 et qui sont dans les paquets surprises. Et là, ben, il m'en manque un. Donc je vais le chercher et je vous retrouve tout de suite après. Je l'ai trouvé, il était bien caché. Donc c'est celui-ci. Donc on va le mettre là-dessus. Que j'ai eu dans des petits blind box. Ensuite, je vais vous montrer eux que j'ai eu, qui étaient qu'on voyait, quoi. Il y en avait 12 qu'on voyait. Donc, je vais vous montrer eux qui sont avec, qui ressemblent pas à des animaux, qui sont dans la collection des animaux. Donc, c'est ça, de la moutarde, je crois. Ensuite, du lait. Un œuf. Et c'est tout. Ensuite, c'est des normales. Donc, celle-là, c'est une petite sacoche. Si vous savez pas c'est quoi une sacoche, c'est un sac à main. Si vous savez pas c'est quoi une sacoche, c'est un sac à main. C'est pas si compliqué. Un petit chapeau de fête. Un petit smoothie aux fraises. Juste pousser. Bon. On avait plus de place, je vais les pousser. Bon. Ensuite, j'ai eu un ultra rare. Comme ceci, c'est une petite maison pour chien. Ensuite, ici, j'ai une petite bourse. Ici, on a des cerise, donc non, ce n'est pas des pêches, j'ai bien lu sur le papier, c'était écrit cerise jumelle. Donc, ensuite, j'ai eu cette petite toilette. Cette crosse, plutôt, tuc. Et une crêpe. Donc, c'est tout pour mes chapeaux que j'ai eu. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires, à vous abonner et à liker. Et je vais bientôt faire une vidéo sur mes cadeaux de Noël. Et je vais aussi faire une vidéo sur mes achats d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, je vais faire plutôt des achats. Donc, bye, à la prochaine. Mouah.